tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation sur ma chaîne. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui est déjà sorti depuis un petit moment que je ne vous ai toujours pas présenté, c'est Twin Star Exorcist. Donc il s'agit d'un seinen du genre aventure fantastique paru aux éditions Kaze. C'est un manga de Yoshiaki Sukeno. Sachez qu'actuellement 6 tomes sont parus au Japon, la série est toujours en cours et concernant la France, le 4e tome de la série paraîtra le 11 novembre 2015. Dans cette aventure, nous allons retrouver le jeune Rokuro et la jeune Benyo qui sont tous deux des Onmyoji, qui sont tout simplement deux personnes qui vont bénir et pacifier des démons afin de les détruire pour qu'ils évitent, bien entendu, de causer du tort aux humains totalement normaux. Et donc dans cette aventure, bien entendu, ces deux jeunes individus vont être considérés comme des étoiles, donc des étoiles jumelles. Et ces deux personnes vont apprendre malgré eux qu'ils vont devoir vivre ensemble, dans un sens tomber amoureux, fonder une famille pour avoir tout simplement un enfant qui va être l'espoir de tous les Onmyoji et devenir un être extrêmement puissant afin de vaincre définitivement les démons. Ce qu'il faut préciser, c'est que ces deux personnes ne peuvent pas se sentir dès le début de l'aventure. Et donc, on commence un petit peu à se demander s'ils vont finalement réussir à être les uns avec les autres. Au fur et à mesure de l'aventure, ces deux personnages vont apprendre à se connaître et apprendre à s'apprécier mutuellement. Alors ça prendra du temps avant qu'ils soient, je dirais, totalement alliés et totalement, entre guillemets, déjà amis pour commencer. Néanmoins, c'est vraiment dans la phase des combats qu'ils vont commencer vraiment à apprendre l'un de l'autre et bien entendu à s'apprécier mutuellement. Donc avant d'aller un petit peu plus dans le détail, je vais déjà vous présenter donc les 3 tomes de cette série. Donc comme vous pouvez le constater, déjà des couvertures qui sont vraiment très 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 sympathiques. Pour ma part, la première est la plus sympa. On a évidemment le tome 2 qui est comme ceci avec des tranches qui changent de couleur, c'est-à-dire qu'un tome sur deux, on va avoir une tranche blanche et ensuite une tranche, comme vous pouvez le constater, qui va être noire. À l'intérieur, nous avons droit à des pages en papier glacé qui peuvent nous donner des petits posters comme ceci qui sont vraiment très 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 sympathiques. Donc comme vous pouvez le constater, on n'a pas toujours, je dirais, des petits posters, mais néanmoins des images qui sont vraiment très sympathiques. J'adore celle-ci. Donc évidemment dans le tome 3 et dans le tome numéro 2, nous avons cette image-ci avec cette dernière que voici. Au niveau du chara-design, on est sur quelque chose d'extrêmement sympathique. On a vraiment des traits de l'auteur qui sont assez bien détaillés, surtout pour les scènes de combat qui montrent vraiment qu'elles sont assez badass et assez impressionnantes. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans ce manga. On a également voilà, des planches qui sont bien détaillées quand ils sont dans certains endroits clés, si je puis dire, du manga. Mais comme vous pouvez le constater, on a toujours quelque chose de très très bien travaillé et ça donne un rendu visuel qui est vraiment très agréable. Alors personnellement, j'ai vraiment adoré cette série. Je vous avoue que j'ai mis beaucoup de temps à la commencer pour la simple et bonne raison que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que ça allait me plaire ou alors est-ce que c'était un énième seinen qui allait probablement être long ou être un petit peu plat et un petit peu sans imagination pour être honnête avec vous. Et finalement ça a été une très très bonne surprise. J'ai été très étonné d'avoir un scénario qui est extrêmement bien ficelé avec des personnages qui sont très bien développés. Et ce qui m'a plu c'est le côté un petit peu mystérieux des personnages principaux et surtout le personnage de Rokuro parce qu'on va apprendre qu'il a fait tout simplement quelque chose d'absolument horrible par le passé auquel il n'arrive pas à se pardonner, il n'arrive pas à aller de l'avant. Et au fur et à mesure de l'aventure, on va découvrir finalement que ce qu'il a fait, eh bien, ce n'était pas de sa faute et qu'il a dû tout simplement agir pour le bien, entre guillemets, de l'humanité. Et c'est vrai qu'on va voir un personnage qui finalement avec, si je puis dire, diverses révélations qui vont se faire au cours du manga, eh bien, va un petit peu reprendre du poil de la bête, va devenir de plus en plus impressionnant, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce manga. Ce qu'il faut préciser, c'est que forcément, ces Onmyoji vont combattre des démons avec des sorts qui sont scellés dans des espèces de petites... alors, je sais pas comment que ça s'appelle en japonais, des petits morceaux de papier où ils disent, voilà... ils disent une formule magique, entre guillemets, avec à la fin exécution immédiate. Et là, soit ils peuvent se mettre des armures absolument
vraiment classe et très très impressionnante, ou alors tout simplement invoquer des armes et des pouvoirs spécifiques pour vaincre telle ou telle personne ou tel démon, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce manga, parce qu'on est toujours surpris de la tournure des événements, de la tournure des combats. On a évidemment les personnages principaux qui sont évidemment badass, forcément, parce que sinon, il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'ils défoncent des personnages qui sont beaucoup plus forts qu'eux. Néanmoins, on voit qu'ils sont très très vite, comment dire, un petit peu surpassés, et qu'ils doivent forcément combattre tous les deux, parce que bah, ce sont forcément les étoiles jumelles, et que lorsqu'ils sont ensemble, ils arrivent à faire des miracles, et c'est ça un petit peu qui va au fur et à mesure du temps rapprocher ces deux personnages. Donc c'est vrai que la trame de fond est vraiment bien développée, est vraiment très bien travaillée, le côté des personnages également est très bien travaillé. Je trouve que le rapport entre les deux protagonistes de l'histoire est vraiment très intéressant. Au début c'est vraiment la haine totale, ensuite petit à petit, bon, on se doute bien que le côté amour va prendre le dessus assez rapidement, ce qui dans un sens ne me dérange pas dans cette série. Vous l'aurez bien compris, la série Twin Star Exorcist a été une vraie découverte que vraiment je vous recommande à chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas du tout fan de ce genre de manga avec des pouvoirs un peu fantastiques, un petit peu contre les démons, tout ça, bon, je vous doute bien que ça va être une lecture que vous allez mettre de côté. Pour tous les autres, laissez une chance vraiment à ce manga qui est vraiment très sympathique, qui est très prenant. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de chaque tome, on arrive à un suspense absolument insoutenable où on veut voir la suite immédiatement. Donc c'est vrai que l'auteur nous met en haleine très facilement et nous met en haleine de façon extrêmement précise. Et c'est ça qui est très très bon dans ce manga. C'est ainsi que va s'achever ma vidéo sur Twin Star Exorcist, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!